Un mois, 30 jours, 730 heures, à peu près 43 800 minutes. Qui est capable de rester tout ce temps en Thaïlande ? Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question que pas mal de gens se posent, à savoir, à quand le retour des touristes en Thaïlande ? Entre les annonces officielles du Premier ministre thaïlandais, aussitôt démenties par son ministre du Tourisme, entre les fake news, les rumeurs à deux balles, je vous le cache pas que ça a vraiment été compliqué d'aller à la pêche aux informations pour vous donner la bonne info. En tout cas, je vous conseille et je vous invite fortement à aller regarder d'autres vidéos qui parlent de ce thème, parce que le problème avec la réouverture des frontières thaïlandaises, il y a énormément de choses qui changent. Le Premier ministre thaïlandais, par respect pour lui, je ne vais pas écorcher son nom, mais il s'affiche juste là, a fait une déclaration courant août pour annoncer la réouverture de la Thaïlande, ou plus précisément la presqu'île de Phuket, aux touristes étrangers. Bien sûr, tout comme vous, à l'annonce de cette excellente nouvelle, je me suis jeté sur mon ordinateur pour voir les informations exactes et limite prendre mon billet dans la foulée. Sauf que quand j'ai vu les conditions, ou plutôt les contraintes, appelez ça comme vous voulez, j'ai tout de suite déchanté. En fait, à y regarder plus près, la Thaïlande, contrairement à ce que l'on pense, elle n'était pas fermée. Elle était ouverte sous certaines conditions à certaines personnes. Les personnes qui avaient un permis de travail, les personnes qui avaient de la famille là-bas, les personnes qui devaient par exemple se faire soigner hors coronavirus, les étudiants. La Thaïlande avait laissé ses portes ouvertes pour eux, bien sûr. Aujourd'hui, on est le 7 septembre 2020 et officiellement, à partir du 1er octobre 2020, la presqu'île de Phuket, elle va réouvrir ses portes aux touristes étrangers. Ça, c'est la version officielle, mais il semblerait déjà que la réouverture ne puisse pas entrer en vigueur au 1er octobre. Pour les autorités thaïlandaises, depuis la crise du Covid, c'est la première fois que cette expérience, que ce modèle, appelez ça comme vous voulez, est mis en place. Donc c'est un petit peu normal, je pense, qu'il y ait encore des petites imperfections, quelques modalités à revoir, parce que l'enjeu est grand. C'est parti pour les conditions. Je vous les donne à la volée, ensuite on développe. Premièrement, vous devez être à jour avec vos papiers, à savoir le passeport, le billet d'avion, le test PCR, tout ça doit être carré. Deuxièmement, votre séjour doit être pour un mois minimum. Troisièmement, une fois sur place, vous serez soumis à une quarantaine de 14 jours. Petite cerise sur le gâteau de votre quarantaine, vous aurez le droit de circuler dans un rayon de 1 km autour de votre hôtel pendant ces 2 semaines. Quatrièmement, après avoir passé 30 jours à Phuket, si vous voulez visiter d'autres provinces thaïlandaises, il va falloir faire un autre test Covid. Donc là, je vous ai donné les conditions, grosso modo, pour pouvoir prétendre retourner en Thaïlande, ou bien aller en Thaïlande, si c'est une première fois pour vous. Alors bien sûr, comme d'habitude, tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous disais que ça risque d'être compliqué de se rendre en Thaïlande avant la fin de l'année, voire l'horizon 2021. Pour pouvoir entrer en Thaïlande, désolé pour mon accent, on vous demandera un Certificate of Entry. En vous rendant sur le site que je vous montre à l'écran, vous aurez toutes les informations nécessaires pour demander ce fameux sésame. En fonction des cas, vous aurez 10 jours grand maximum pour fournir tous les documents demandés. Autrement dit, bonne chance. Une chose importante à retenir, c'est que si vous faites partie du contingent des touristes qui ont été retenus pour se rendre à Phuket, vous ne resterez qu'à Phuket. Si vous comptiez vous rendre par exemple à Krabi, Koh Chang, Koh Kud, Koh Phangan ou bien Samui par exemple, alors là c'est niet. D'autant plus que la ville apparemment qui a été retenue pour vous accueillir, ça va être Patong. Même si Koh Samui elle aussi a fait une demande pour à son tour accueillir les touristes, sa candidature a toujours pas été validée par les autorités thaïlandaises. N'oubliez pas, Phuket et particulièrement Patong, ça va être la ville test, la ville de référence pour mettre en place ce nouveau modèle. Et une fois que tout sera rentré dans l'ordre, que tout fonctionnera comme ils veulent, là peut-être que le modèle sera ouvert aux autres régions, aux autres îles de la Thaïlande. Le billet d'avion, on en parle? Si vous aviez l'intention de prendre un billet par exemple Paris-Bangkok, Bangkok-Phuket, ça n'y comptez même pas. Il va falloir trouver une solution pour aller directement à Phuket. Et de mémoire, par exemple, Air France ne va pas à Phuket. Et en plus, pour eux, le vol CDG Bangkok, pour l'instant, il est fermé. Même si je pense qu'au fond d'eux, Air France voudrait reprendre les vols. Mais en fait, c'est les autorités thaïlandaises qui ne veulent pas, c'est méchant ce que je veux dire, mais ils ne veulent pas du touriste français. Et pourquoi ils ne veulent pas du touriste français ? Parce que les autorités thaïlandaises, pour se protéger, ce qui est normal, elles vont sur les sites spécialisés, par exemple comme celui que vous voyez à l'écran, elles voient en temps réel l'évolution des cas de Covid et malheureusement des morts, et puis quand elles regardent vers la France, elles voient que nos chiffres à nous, ils montent constamment, tous les jours. Donc ils se disent, ah ben non,
Moi, il est hors de question que je reçoive, entre guillemets, des Français chez moi, parce qu'en venant chez moi, il y a de fortes chances qu'avec eux, ils m'amènent le Covid. Justement, à ce sujet, dites-moi par exemple en commentaire ce que vous pensez, entre guillemets, de la façon de faire de la France. Est-ce que la France fait bien de jouer le jeu, de montrer patte blanche ? Montrer patte blanche par rapport à ces chiffres du Covid, parce qu'on le sait très bien que beaucoup de pays dans le monde, on va pas se mentir, hein, quand on voit l'évolution, entre guillemets, du corona dans certains pays, on se dit, mais non, ils nous racontent des bêtises. Ils ont que 2 cas, ils ont que 10 cas, c'est pas possible. Donc voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que la France fait bien de montrer patte blanche ? Alors, je parle souvent de Paris, hein, bien sûr, parce que pour la Thaïlande, généralement, comme c'est du long courrier, très souvent, ça part de Paris. Hein. C'est pour ça que je vous dis, trouver un vol Paris, par exemple, Phuket, ça n'existe pas. Vous serez forcément obligé de passer par une autre compagnie aérienne. Alors là, la petite subtilité, entre guillemets, des autorités thaïlandaises, c'est que pour venir à Phuket, il semblerait que vous soyez obligé de passer par la Thai Airways. Et là, on est en droit de se demander... après, ils ont raison, hein, ils défendent leur beefsteak, comme on dit. Hein. Mais on est en droit de se demander, tiens, c'est bizarre, la Thai Airways, officiellement, elle était en train de couler, et puis là, bizarrement, ben ça repart. Je sais pas, bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je veux pas faire de politique, c'est juste que voilà, à force de jeter un œil à droite à gauche sur les sites, et puis souvent aussi à force d'aller en Thaïlande, bah des fois on découvre des petites choses, je vais pas dire qu'ils sont pas très catholiques, mais qu'ils sont pas très bouddhistes. Alors je vous le dis tout de suite, hein, pour les petits malins qui espèrent faire un Paris, Dubaï, Dubaï, Phuket, n'oubliez pas qu'à l'arrivée, c'est votre passeport qui fait foi, et le douanier quand il va voir que vous venez de France... À mon avis, ça va pas se passer comme vous l'aviez prévu. Les Thaïlandais, ils espèrent pouvoir attirer plus de 2 millions de touristes avant la fin mars 2021. Le ministre du tourisme thaïlandais, dont le nom s'affiche ici, en fait, il voudrait que le modèle de Phuket, ce soit une réponse au malheur du tourisme thaïlandais. La Thaïlande, c'est un secret pour personne, il y a une grosse part de son économie qui repose sur le tourisme. Et puis avec cette pandémie, c'est clair qu'ils ont pris une sacrée claque. Alors avec cette crise, faut pas s'étonner à voir que les prix montent, hein. Tout le monde fait comme ça, hein. Le monde entier a été atteint par cette pandémie, donc les caisses elles sont au plus bas, donc tous les moyens sont bons, entre guillemets, pour renflouer les caisses. Dans cette guerre pour la reconquête du tourisme, tous les coups sont permis. Et en parlant de coups, justement, on va parler des hôtels. Pour les hôtels, si vous aviez l'intention d'aller dans un hôtel pas cher ou l'hôtel familial où vous aviez l'habitude de prendre vos marques, n'y comptez même pas. Le gouvernement a mis en place une liste dans lequel figurent tous les hôtels où vous pourrez séjourner. Gardez en tête que ces hôtels sont sur Patong et que si durant votre séjour, vous aviez l'intention, par exemple, d'aller visiter le Big Buddha, d'aller sur Karon, Kata Beach, sur In Beach, Railway, eh bien, vous ne pourrez pas. Tout simplement, rappelez-vous, vous avez le droit qu'à un rayon d'un kilomètre autour de votre hôtel. Et toutes ces villes et ces lieux que je viens de citer sont à plus d'un kilomètre de Patong. Pour les personnes qui ne connaissent pas Patong, rassurez-vous, si on met de côté Bangla Road et toutes les activités nocturnes qui s'y rapprochent, il y a quand même pas mal de choses à faire à Patong. La liste des hôtels que propose le gouvernement thaïlandais, généralement c'est des hôtels qui sont en bord de mer avec un certain standing. Par exemple, j'ai pu voir pour un hôtel 14 jours, bizarrement hein, c'est les fameux 14 jours où vous devez rester confiné entre guillemets, 6 000 euros, vous avez bien entendu. Sachant que vous êtes obligé de rester un mois, donc moi je suis pas très fort en maths, hein, mais 6 000 multiplié par 2, je crois que ça fait 12 000. Et si on enlève le contexte de la bulle, entre guillemets, que le modèle de Phuket, eh ben sachez qu'en Thaïlande, avec 12 000 euros, vous en faites des choses. Mais là où ça me gêne, c'est que le prix est proposé par personne. Sachant que j'ai eu la chance, entre guillemets, hein, de faire pas mal d'hôtels en Thaïlande, et d'après ce que j'ai pu voir, les prix, c'est toujours proposé par chambre. Que vous soyez 2 ou 3 personnes, le prix est à la chambre. Et là, c'est par personne. Ok, je suis d'accord, l'économie a besoin de repartir, mais est-ce qu'elle doit se faire au détriment du touriste ? Est-ce que pour pouvoir retourner en Thaïlande, je suis obligé de casser ma tirelire ? Mais surtout, la grosse question que je me pose, c'est est-ce que la Thaïlande cherche pas des gros poissons ? Quand je dis gros poissons, j'entends des mecs friqués. Parce que avoir 30 jours de vacances consécutifs, je crois que c'est impossible. Sinon, voilà, on est bloqué pour tout le reste de l'année, on n'aura pas d'autres vacances. Partir dans des hôtels à 6 000 euros pour 14 jours, je sais pas si on est tous capables de le faire. En plus, il faut une assurance, ça j'ai oublié de vous en parler, mais il faut une assurance de 100 000 $ qui couvre les frais en cas d'infection du corona. Donc déjà rien que ces 3 critères, je sais pas si on est beaucoup à pouvoir les remplir. Avec ce modèle de Phuket, est-ce que les autorités thaïlandaises, est-ce que le gouvernement thaïlandais veut du touriste comme moi ? Le touriste lambda, entre guillemets. Je vais pas dire touriste low cost,
parce que ça se fait pas, parce qu'on est plusieurs dans ce cas. Hein. Mais voilà, moi je me considère comme touriste low cost. Bien sûr que moi ça me fait plaisir quand je pars là-bas, surtout une fois qu'on va pouvoir y retourner. Bien sûr que ça va me faire plaisir que si les euros que je vais dépenser là-bas peuvent refaire repartir entre guillemets l'économie d'une famille, du vendeur d'ananas qui se trouve sur le bord de la route ou de la dame qui fait des brochettes sur la plage, bien sûr que ça va me faire plaisir. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'augmenter les prix comme ça? Je vous pose la question. Psst. Oh, ouais. Ouais, ouais. Vous, derrière l'écran, je vous vois, hein. Bon, n'allez pas dire à votre entourage que je n'ai pas dit, hein, que ce soit bien clair. Hein. J'essaye pas de vous engrainer pour ne pas aller en Thaïlande. Hein. Mais voilà, vous me connaissez, fallait que je crache ma valda, fallait que je dise ce que j'ai sur le cœur. Donc je compte sur vous pour ne pas aller moucharder auprès de l'ambassade. Sinon, le GIGN thaïlandais va débarquer à la maison et Riyad, la Thaïlande, ça va lui passer sous le nez. À présent, j'espère que je vous ai donné assez d'informations pour que vous sachiez si oui ou non vous allez vous rendre en Thaïlande dès la réouverture des frontières ou si vous allez attendre l'année 2021. Quelle que soit votre décision, elle vous appartient. Mais dans tous les cas, j'espère qu'on va sortir de cette panade au plus vite. Alors bien sûr, mes amis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche jaune pour être au courant de mes futures vidéos. Mais surtout, sortez couverts.